Et merci aux tipeurs qui nous soutiennent et n'hésitez pas à faire de même. Salut, c'est Boisdin. Et Boisdeux, c'est moi. Et aujourd'hui, c'est Boisdeux qui va se coller au fameux challenge, défi, Koh-Lanta, Denis Brougnard. Denis Brougnard, bien joué. 2 points pour toi. Le fameux challenge 10 minutes, 1 minute, 10 secondes que j'avais fait dans une vidéo précédente. Voilà, vous regardez ma chaîne, renseignez-vous. Souvenez-vous. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de réexpliquer c'est quoi le truc? On choisit un dessin, un thème que vous nous avez proposé sur Twitter aujourd'hui. Après, je dois le faire en 10 minutes, après, je dois le faire en 10 secondes, en 1 minute, et après, en 10 secondes. C'était confus, mais c'est à peu près... Et tout ça à la tablette graphique, et on sait que je suis exceptionnellement doué. Donc, nous avons choisi le commentaire de Flo, dit @BeckyFlo sur Twitter, qui nous dit « Hellboy qui fait du tennis ». Hellboy qui fait du tennis, très bonne proposition. Hellboy, Mac Mignola. Mignola. Les films de Guillermo del Toro. Je sais jamais si on dit Mignola, Mignola, je sais pas, dites-moi si vous savez, le soleil nous joue des tours, hein. Voilà, pendant... c'est pas grave. On s'excuse, voilà, il fait beau dans le nord, c'est rare, du coup on sait pas comment mettre la lumière, c'est n'importe quoi, mais de toute façon on y va, c'est parti. T'es prêt? Ouais, j'y vais. Fini. Alors qu'est-ce que t'en penses? Que c'était chaud quand même. Enfin, c'était chaud patate, déjà que je suis pas très à l'aise avec la tablette graphique. 10 minutes, c'est pas si long que ça. Si je voulais mettre des couleurs, c'est mort. Pour faire une vraie élue, en fait, 10 minutes, c'est juste le temps en fait de faire le croquis. D'ailleurs, j'ai pas fait des jambes. Non. J'ai quand même fait un petit croquis, même si d'habitude je fais pas trop ça. Je voulais me lancer comme ça, mais non, un croquis, c'est vrai que c'est un peu mieux pour la pause. Et après, j'ai pas respecté la première pause. C'est vrai, alors tu m'as fait la remarque. T'es censé comprendre le principe, tu l'as expliqué au début de cette vidéo, et pourtant il a un peu foiré parce que t'as complètement changé la pause. Mais après, j'ai gardé la même pour la 10 secondes. Ouais, alors 10 secondes, par contre, là c'était un fiasco. En plus, je suis sympa. Je pense que n'importe qui, même le plus grand dessinateur du monde, j'en ai laissé 14. En 10 secondes, c'est un fiasco dans tous les cas. Et c'est justement ça le principe, c'est que tu dois refaire le même et qu'il rentre dans ta tête et t'arrives à le refaire. Voilà. En 10 secondes, j'ai mis la. Sur les 10 secondes, je me suis dit, il faut qu'on reconnaisse Hellboy vite fait, donc j'ai fait les deux cornes. T'as fait la queue, ouais. Et j'ai fait la queue alors que je l'ai pas fait sur les deux autres. J'aurais dû, du coup. Pour la première, je savais pas trop quoi foutre avec ma raquette de tennis.
Du coup, je l'ai fait dans son autre main, donc la main normale, et qu'il la pète, mais en fait, ça aurait été beaucoup mieux de la faire dans la main... Donc t'as changé. Dans la grande main. Donc il a changé pour le deuxième. Oui. J'avoue que j'ai été interloqué quand j'ai vu ça, j'ai failli lui dire on arrête la vidéo, stop. C'est trop moche. Stop, c'est terminé. C'est n'importe quoi. C'est tu foires complètement le concept. Bah, on m'en fout. Si il casse la raquette avec sa main normale, imaginez ce qu'il peut faire avec son autre main. Incroyable. Mais normalement il ne peut pas la tenir, il a des trop gros doigts. Surpuissant. Putain. Ah, le soleil est revenu. Je pense que tout est dit, on va pas s'attarder. De toute façon, le résultat est devant vos yeux. J'ai réussi à peu près. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé. Mettez des gros pouces vers le haut, s'il vous plaît. Des gros pouces comme ça. Très gentil. Dites-nous en commentaire si vous en voulez d'autres. Pas avec moi parce que je suis une quiche, mais avec d'autres personnes. Avec Boisdin, avec le chef. Avec des invités. Voilà. On en refera sûrement d'autres. Mais on va essayer d'étaler les concepts de dessin. On va pas toujours faire les mêmes. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Salut et... Mangez des frites et lisez des BD.